10 minutes. J'ai eu des nouvelles de Paris. C'est bon, on a le feu vert. Vous faites quoi exactement ? On étudie un phénomène astronomique. C'est une des clés pour comprendre la formation de l'univers. Moi, j'arrive déjà pas à comprendre ma vie, alors. J'ai trouvé une corde. Elle était peut-être déjà là avant. Elle n'était pas là hier matin. C'est quoi cette corde? Elle est si longue que ça? C'est quelqu'un qui nous fait une blague. Attends! Je crois que je vois la boue! Il faut l'enlever. On est à des centaines de kilomètres de tout, là. On devrait mener l'enquête. C'est notre devoir des scientifiques. Où tu vas? On va voir la corde. Je peux venir avec toi? Comment on a pu marcher presque 6 heures sans s'en rendre compte? On a été un peu loin, c'est vrai, mais vous trouvez pas que c'est excitant? On dirait qu'ils se sont entretués. Faut rentrer. On peut pas rentrer maintenant. On n'a pas encore été au bout. Qu'est-ce que ça peut faire d'aller au bout? On rentre pas, certainement pas. On continue. Ils avaient dit une heure en deux. Il est presque 20h. Je suis navrée de ruiner l'ambiance, mais est-ce qu'on peut parler du problème ou pas? Ils vont revenir. Ulrich? C'est qui tous ces gens? C'est les familles. You need to follow the rope! We already did that. We followed the rope, but we did not find anything. Scientifique. Vous savez que c'est juste une corde. Mais non. Tu veux savoir ce qu'il y a au bout de la corde?